Et salut à tous, c'est très cool, on se retrouve pour un nouveau pack opening sur FIFA 14 Ultimate Team, toujours bien sûr, ou d'autres. Hein. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'équipe de la semaine numéro 16, hein, avec notamment Eden Hazard, hein, qui est quand même d'assez loin le joueur le plus intéressant. Il y a Soldado aussi, c'est pas mal, Walcott, mais bon, Eden Hazard, hein, voilà, c'est quand même le patron hein, dans cette équipe de la semaine. Il a sorti un beau match contre Liverpool, hein. Victoire 2 buts à 1, Chelsea, Eden Hazard, bon. Voilà, Eden Hazard déjà qui est en normal, c'est énorme. Alors en boost, je crois qu'on pas 89 vitesse, 91 dribble, 85 en tir, 88 en passe. Ouais, c'est quand même du lourd, du très lourd. Eden Hazard, donc milieu gauche ici. Alors on a un joueur là, c'est Imo Ezekiel, hein, un joueur nigérian que je connais pas du tout. Du standard de Liège, il est assez rapide. Hein, ouais. Ça, c'est un joueur argent assez intéressant, 92 de vitesse. Et assez complet sinon. Mais bon. Roberto Soldado, des Spurs. Tottenham, 79 vitesse, 80 dribble boost, 85 en tir aussi, 82 de la tête. Voilà, c'est un attaquant de référence en BPL, Soldado. C'est quand même pas mal, 85 boost, ouais, boosté quand même pas mal, Soldado boosté là, c'est intéressant. On a Koren, un joueur russe. Il joue où lui? Il joue à Hull City. Ouais, je le connais pas du tout, il est slovène. Il est. D'accord. Il est peu. C'est la grosse erreur. C'est la grosse erreur. Je vais me faire incendier. Ah, c'est pas du tout le drapeau russe, c'est le drapeau slovène. Oh là là. Bon, c'est Coréen, voilà, on est content de savoir. Allez, Walcott. Ah bah Walcott. Hein. Ah, il est toujours pareil en vitesse 96, il a pas augmenté en boost. Et 82 dribbles, hein, ça il a augmenté un peu, voilà. C'est un ailier gauche de référence, hein, Walcott, ça c'est sûr. Hein. Peut-être même un des meilleurs, enfin un des meilleurs, c'est sûr, mais ouais, je sais pas si c'est le meilleur en BPL. En tout cas, c'est sympa d'avoir Walcott, en tout cas en rapidité. On a qui là? C'est Felipe Melo, oui. Alors vraiment très complet, Felipe Melo. Ouais, putain, impressionnant d'ailleurs là. Je savais pas qu'il était aussi complet, Felipe Melo de Galatasaray. Donc bon, voilà, on le connaît, hein, Felipe Melo. C'est quand même un joueur assez connu, un joueur brésilien de renommée. Je pensais pas qu'il était si complet, hein. Voilà, 67 vitesse, 68 en dribble, 77 tirs, 79 passes, 80 défense, 83 de la tête. Ah ouais, quand même, c'est impressionnant. Je sais pas ce qu'il fait en normal, mais là boosté c'est assez impressionnant. Ouais, là c'est vraiment de belles stats là de milieu défensif. C'est vraiment très intéressant, Felipe Melo. Bah, tout autant pour une équipe brésilienne, parce qu'une équipe turque, bah il n'y en a pas, je crois. Vu que c'est dans le reste du monde, il me semble. En tout cas, ouais, bah, vraiment puissant, Felipe Melo. Alors là, on a Thiago Neves que j'ai eu en normal en début de saison sur ce fut. Qui est vraiment pas mauvais, alors en boost ça doit être sympa. Enfin, ils l'ont mis latéral, mais il est quand même plutôt milieu gauche. Donc voilà, c'est complet. 86 tirs, notamment 82 en dribble et 82 en passe. C'est vraiment. Enfin, il était mieux offensif, je crois, plutôt avec moi. Mais il est vraiment. Ouais, 4 gestes techniques, c'est sympa. Même 77 de tête, c'est vraiment ouais, un meilleur organisateur. C'est sympa, Thiago Neves. Hein. On a. Alors, Minor Figueroa. Alors là, non, je connais pas ce joueur. Encore un joueur de le City. C'est étonnant, je crois qu'il y a plus. Enfin, là, ils ont sorti un beau match, c'était contre United, je crois, ils ont quand même perdu. Donc lui, il est plutôt latéral gauche, et bah, il est quand même pas mauvais, hein. Il est du Honduras. 83 de défense, 78 de test, 78 de vitesse, ouais. Intéressant, Figueroa. Bon, pour une BPL plutôt, parce qu'une équipe du Honduras, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de joueurs. Allez, on a Mertesacker là, Mertesacker, Darsol 35 en vitesse, Mertesacker! Ah ouais, là c'est un scandale, là c'est injouable. Je pensais qu'il était quand même plus rapide. 35 en vitesse, alors 88 de défense, c'est impressionnant, c'est un super stat défensif là, Mertesacker, 78 de tête. Mais ouais, 35 en vitesse, là c'est quand même dur. Hein. Parce que j'avais quand même testé un certain Van Buten qui faisait, je sais plus, 27 ou 29, c'est assez injouable, alors 35, ça doit être vraiment dégueulasse. Enfin, à peu près pareil que Van Buten. Ah, c'est Mus Coleman. Mais je sais pas s'il a pas déjà été boosté, lui Coleman, bon, peut-être pas, non. En tout cas, latéral droit d'Everton, un très bon joueur. Hein. J'ai joué la dernière avec lui quand je jouais avec Everton. Everton, une équipe assez complète et bah, des joueurs sympathiques là, comme Coleman. Il était intéressant, je me souviens, la dernière, 73. Donc là, général, 80 en vitesse et 76 en défense. 77 en dribble, c'est plutôt un latéral qui va aller de l'avant. Hein, parce que bon, son Suisse de la tête, bon, c'est pas un gars qui va trop vous défendre. Enfin, en tout cas, de la tête. Mais bon, une stat de défense correcte, 76 défense, enfin, c'est bien. Ouais. Pour aller de l'avant avec Coleman, c'est pas mal. On a Hart, Joe Hart au but. Voilà. C'est énorme déjà. Ouais, bon, normal, Hart, il est un peu cheaté déjà dans le jeu. Hein, ça sort un peu tout. Il y a quelques gardiens qui sont vraiment impressionnants. Alors en boosté, là, je vous dis pas. 87 plongeons, 89 réflexes.
C'est costaud, Joe Hart. Alors là, on a qui? Cosmans, Trost, on va les passer rapidement. Inigo Calderon, hein, je les connais pas trop ces joueurs-là. Novak, Richie, c'est qui celui-là? Il joue à Bournemouth, super. May, Brian May, guitariste de Queen, bien sûr. Peut-être plutôt son fils, hein, Stevie May. Stevie May. What? Buteur, un bon buteur écossais là, qui joue à Lierse. Voilà, bon, je les connais pas trop ces joueurs-là, de toute façon ça m'étonnerait qu'on ait ça dans les packs. Allez, c'est parti, les packs, hein. Je sais pas si il y a des promos, je ne crois pas. Non, ça n'a pas l'air. Allez, on est parti pour le premier pack. Alors c'est vrai que là j'ai eu pas mal de chance ces derniers temps, hein, sur les deux derniers packs opening, avec notamment du Di Maria, Götze, Cavani, c'était assez énorme. Alors maintenant on continue dans cette lignée, on va le savoir. En tout cas, c'est parti avec un premier pack avec Welbeck, Danny Welbeck, c'est pas mal, très bon joueur. Ah, Kalou, il me semblait l'avoir, Kalou, j'ai peut-être vendu. Kalou, ouais, de toute façon Kalou, il va pas me servir, genre. Super, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Bon, Dejaga, c'est super, je connais pas, il est quoi lui, iranien? Ah ouais, il est pas mauvais, 118 vitesse, 80 dribble, ouais, techniquement. Genre de celui-là, ouais, pas trop mauvais. Bon, là, Danny Welbeck là qui a encore planté hier. Enfin hier, je fais ça, cette vidéo. Donc le lendemain du match, je vous l'aurais compris. Manchester Tottenham. Ça n'a pas été dans les sites, c'était. Manchester, ils sont pas bien bons quand même cette année. J'ai vu ce match, c'était pas top top, hein, mais bon, Danny Welbeck était présent, il a mis un beau but. Ça n'a pas suffi. Tottenham et Adebayor sont imposés. Ouais, c'est super, bon. Bon, Danny Welbeck, c'est pas mal du tout. Danny Welbeck a testé aussi, a testé. Très complet, hein, Danny Welbeck. C'est ouais. C'est ça qui sort un peu du lot par rapport aux autres attaquants que j'ai eu. En tout cas, niveau vitesse, peut-être techniquement aussi, c'est correct. A tester, Danny Welbeck, a tester. On va conserver tout ça. Bon, je vais ouvrir peut-être un peu moins de 10 packs là. Parce que j'aimerais bien en garder un peu. Pour une équipe colombienne que je vais faire prochainement. Allez, deuxième pack. Avec David là-bas dessus. Et Jacob. Leto quoi? Sébastien Leto, ouais. Missiroli, c'est un joueur italien. Il nous vient de Sassuolo. Ah ouais, il joue en Serie A. Missiroli. Ouais, Missiroli. Attends, avec ça va grand-chose. Alors, Jacob, il joue à West Brom Albion. Oula, ouais. Ouf, ça va pas m'intéresser. Hein. Qu'est-ce qu'on a de bon ami le crédit là-bas? TBU, c'est intéressant ça, je crois. Ça peut être intéressant. Ouais. Allez, on verra ça peut-être sur la liste des transferts. Parce que ça va pas m'aider. Mais de Montpellier, on a mis le crédit. Bon, c'est cool. Voilà, bon. Magnifique pack, on va conserver tout ça. Enfin, magnifique. Ça m'étonnerait que Mystery va grand-chose. Allez, allez. Et c'est le bug. Que se passe-t-il? Mise à jour, catalogue boutique. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bon désolé, je laisserai que ma collection est un peu en train de crever, hein, c'est un peu la fin. Donc ça lag un peu, mais bon, tant que c'est pas en match, ça reste correct, hein, pour ouvrir des packs, ça va. Du coup, ça a bien 8 ans. Allez, c'est parti, troisième pack. Avec Raphaël, bah je l'ai déjà, voilà, c'est pas fantastique là. Agasa, Ko. Ko, qui est coréen, et qui est pas mauvais. L'équipe coréenne, ça doit être jouable 4 de gestes techniques, il joue à Wolfsburg. Beaucoup de joueurs asiatiques en Bundesliga, ils sont plus ouais, c'est toujours des joueurs assez complets, assez bons techniquement. Intéressant. Le maillot de City. Un style. Alors Raphaël. On va le placer. Je sais pas combien il vaut Raphaël. Placer sur les étances vertes, s'il te plaît. Oui, merci. On verra ça. Bon, oui. Là, ça part moins fantastique, hein, mais bon, pas avoir de la chance tout le temps, de toute façon, c'est bien normal. Est-ce que ça va arrêter de bugger, s'il vous plaît, oui? Oh, ce bug de fou, là. Ah! Ah, c'est la fin. Oh là là. Vous quittez l'Ultimate Team, eh ben, ouais, donc. Y a pas de souci, hein. On est vraiment en train de crever la connexion, là. C'est assez énorme. Oh là là, bah, c'est la galère, hein. Ah, ça en veut plus, ça en veut plus. Ça y est, c'est. C'est la fin. C'est la fin du pack opening. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je continuerai ce pack opening dans quelques temps. À vous, ce sera juste à la suite, mais ouais, parce que la connexion est un peu en train de crever, non, si on y va.
Ouais, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper un peu, on va dégager ça. Et je reprendrai un peu plus tard, parce que la connexion est vraiment en train de crever, donc à tout de suite. Et alors à tous, on se retrouve pour ce quatrième pack qui devrait s'ouvrir, j'espère, convenablement. Hein, parce que bon, je vais pas vous cacher que je fais cette deuxième partie de vidéo 24 heures après la première. Hein, ce qui est assez magnifique. Je suis bien sûr en direct du Vietnam. Hein, du Vietnam et encore au Vietnam, je suis sûr qu'ils ont une meilleure connexion que moi. Oh là là, c'est vraiment la misère. Les quatrième pack, on va accélérer tant qu'il en est temps. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai même réussi à récupérer pas mal de crédits du coup. Enfin, peut-être pas, je sais plus combien j'étais, mais j'ai peut-être récupéré 10 000. Enfin bref, allez, Borriello dans ce pack, avec Bodmer et Kusher. Mais je sens que ça, il va être bien pourri ce... Ouais, t'as le maillot de Monaco, extérieur, moi j'ai les deux, c'est cool. Mais ouais, je sens que ce pack opening va être bien dégueulasse, hein. Je peux... Ouais, là, je sens que... Ouais. Parti comme c'est parti, donc j'espère que je vais pouvoir faire plus de 3 packs, et pas en faire les 7, 8, 9 dans 24 heures. Bon allez, que je suis Borriello, Bodmer, c'est cool, c'est cool, c'est cool. MD et CMC, ça c'est peut-être intéressant. Le maillot de Vélez, Sarfilou, là, il est bien bleu ce maillot. Ouais. Allez, envoyez tout ça au club. Et le cinquième pack. Avec donc Yoshida, on m'a dit, j'avais dit Kagawa, c'est vrai que je n'en sais rien du tout. J'en savais rien du tout, plutôt c'est plus français, mais... Ouais, donc c'est Yoshida, je connais pas du tout. Spoli maintenant. Spoli, avec Auriol, Rosell. À côté, il joue où lui? Il joue à Kansas City. Spoli, c'est où ça? C'est Kétan. Ouais. Bah, plutôt bon en défense quand même, Spoli. Mais vitesse 55. C'est un petit peu handicapant. Super attitude. Ah, t'as Quintero là. Ah ouais. Fabio Quintero, ben, y a pas de souci, on va voir ce qu'il vaut, Quintero. C'est vrai que j'ai un Quintero, mais je l'ai pas trop utilisé. Ouais, je ferai une... oui, bah ça, je ferai, je sais pas ce que je ferai, mais ce sera pour plus tard, une portugaise ou une BBVA, mais oui, ce sera pour dans quelques temps, ça, oui. Allez, Spoli et Quintero dans ce pack. Bon, bah, c'est Quintero... Non, on a eu Danny Welbeck aussi, hein. Hier. Ouais, donc pour l'instant c'est Welbeck le meilleur qu'on ait eu, je pense. Allez, c'est parti pour un sixième pack, je crois. Là, on va enchaîner, hein, parce que des fois que ma connexion crève. Une nouvelle fois, Sidwell, Rodolfo Trapp, bon gardien allemand de l'Eintracht Francfort. On a le mieux de Wolfsburg. Pas du tout, c'est l'écusson. Ouais, c'est génial, bien dégueulasse pour l'instant. Spec opening. Ah, il en faut bien, de temps en temps. On va pas toucher des Cavani toute la journée. Hein. Allez, c'est parti avec Arturo Vidal là-dessus. Côté de Léo Messi. Attention. Ouh, Jefferson Farfan. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant, Farfan. Hein, qui doit. Je pense pas que ça vaut grand-chose, mais bon, très intéressant, Farfan. Et ouais, avec ses. Excellent là. J'ai déjà Xherdan Shaqiri, mais je pense que Farfan, ouais, on va pouvoir tester ça. Très intéressant, je l'avais sur le 12. L'année dernière, je l'ai j'ai pas joué avec lui, non. Pourtant, il est quand même très fort. Mais ouais, 4 en geste technique, 88 vitesse, 85 dribble et 80 de la passe. De passe. C'est ouais, c'est assez intéressant tout ça. Jefferson Farfan, niveau combien? Là-dedans, ouais, comparé prix. On va avoir un aperçu. Voilà, ça vaut quand même peut-être 2-3 000. Enfin bon. Ouais, disons 2 000 au moins. Mais bon, on va plutôt le tester, Farfan. Hein. Intéressant. Surtout que dans le prochain épisode, D1 me voilà ou pas. On va sans doute tester Godze. Donc on mettra Farfan à côté. Ça, c'est intéressant. Oui, ben, c'est bien. On va garder Farfan. À côté, on a Santos. Ah ouais, il est droit mexicain. Pas mauvais. Pas mauvais, hein. Correct, pour un 67. Dembélé, alors assez rapide Dembélé. 90 de vitesse après. C'est l'autre Clermont ça? Ah ouais. Eh ben écoute, c'est super. Listé sur marché du transfert, ouais. On va voir si ça peut valoir quelque chose, hein. Je suis pas convaincu. Dembélé. Ah si, ça peut, ouais, intéressant Dembélé. Ah oui, enfin là, 400. Ouais, ouais ça peut peut-être valoir un peu plus, bon. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de.
d'offres. Bon allez, on va voir ce que tu vois un peu plus sérieusement plus tard. Un maillot de fin de vent qui est pas mauvais ce maillot. Maillot domicile et ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, on va faire fan, c'est le meilleur joueur qu'on ait eu jusqu'à présent. Allez, allez. Et Falcao sur ce pack, Falcao que je devrais acheter prochainement pour une colombienne. Ça va me coûter un petit bras, mais bon. Toujours sympathique. Et c'est Khedira du Madrid. Oula, du Madrid. Oh putain, je suis mort là. Du Real Madrid. Alors Khedira, ouais. Ah, c'est un super joueur Khedira, allemand en plus là. Ouais, bah, faire que je me fasse une BBVA, je crois, hein, parce que là. Là, ça commence à se préciser, hein. Khedira, intéressant. Je sais pas combien ça vaut ce Khedira. Ah, bah voilà, le pack opening qui commence à devenir assez intéressant. Khedira, voilà, ça vaut pas grand chose non plus. Mais c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant Khedira. Hein. C'est pas mal. Bonjour, c'est quoi son nom? Samy, ouais, c'est ça. C'est Samy, bien entendu. Très complet Khedira. Bon, il manque un peu de vitesse. Hein, C'est vrai que, ouais. Bon, c'est quand même un super joueur à Madrid. C'est vrai que j'ai vu pas mal de fois le Real jouer cette saison, même l'année dernière. Et Khedira, il sortait quand même du lot. Hein. C'est vraiment un bon joueur. Allez, à côté de Chiriches, là, qui joue au Tottenham. Pas mauvais, 82 vitesse, pas mauvais. Il y a un peu de vitesse, quoi. Bon, Khedira, c'est pas que c'est pas mal. Des joueurs de renommée, qui valent pas forcément des millions. Mais c'est pas mal. Allez, je vais peut-être ouvrir un ou deux packs encore, et après on va y arrêter. Avec encore Yoshida. Je sais même pas où il joue Yoshida. Je connais juste son nom. Allez, Gago. Aladier à côté. Ouais, Aladier. Bon, bon attaquant Aladier, hein, mais bon. Ça va pas trop nous intéresser. MZAD, ouais. L'écusson de Chelsea. Ivan Schitt. Autrichien. Tous les 20T. C'est super. Allez, on va dégager notre ami Ivan Schitt là. Et je vais ouvrir donc un dernier pack. Hein. Ah, ça aura pas été un pack opening fantastique. Hein. Désolé, ça a été un peu laborieux. C'était un peu l'anarchie, je vais pas vous le cacher. On fera mieux la semaine prochaine. Allez, encore ce pack donc. Avec Umut Bulut. Qui est arrivé à Galatasaray. Je crois qu'il joue en France à une époque lui. Je sais plus trop. Zvitanic, pas mal. Darius Zvitanic de Nice. Voilà, c'est vrai que sur FIFA ça a pas tellement de gueule, mais bon. En vrai, à Nice, il est quand même assez fantastique ce Zvitanic. Hein. C'est vrai qu'au niveau des stats, c'est un peu dégueulasse là, mais bon. C'est quand même un joueur énorme. Maillot de Newcastle. Ouais, on a Gil. Ou Gilles, tout simplement. Ça, Coleman, qui c'est? Ah ouais, Barclay, bon. Bon, Bulut, c'est assez complet. Ouais, c'est un peu les mêmes, hein, c'est un peu les mêmes ces deux-là. Ouais, c'est même bien les mêmes. Pas en dribble. Ouais, c'est à peu près ouais. Le même genre d'attaquant. Enfin bon, ça va pas trop vous intéresser. On va quand même garder tout ce bordel. Allez, Gilou, il va aller. Il va dégager, je pense. Bon, c'est ce que ça peut se vendre. Allez. Je m'en fous. 50, allez. Et notre ami Gilou, on va le vendre. Hein, parce que bon, je pense pas que. Voilà, bien sûr, super. Ouais, c'est gagné. Et on a 50 009 crédits. C'est magnifique. C'est beau, super. Bon allez hop, on va arrêter ce pack opening là-dessus. Hein. Ah, c'était une belle anarchie, il faut le savoir. Eh ben un pack opening pas fantastique bien sûr, hein. On n'est pas rentré dans nos frais, hein, mais bon. On peut pas toujours, hein, surtout que y a pas beaucoup de joueurs qui valent la peine. Hein. C'est pas comme l'année dernière où sur PC on pouvait s'en sortir assez facilement avec les packs. Et là c'est un peu moins top. Mais bon, on s'en fout. On a eu quand même deux beaux joueurs avec des Farfan, du Welbeck et Khedira. Moi ça me va très bien. Et eh bien, on se retrouve prochainement hein, pour une vidéo sans doute un peu plus. un peu plus. Enfin, un peu moins pourrie. Parce que, enfin, un peu moins bordélique, disons. Parce que là, c'était. Ça a été un peu le bordel avec cette connexion un peu trop fluctuante. Allez, salut à tous!